Hello les jolies, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver au magasin Aldi de mes rues pour une nouvelle vidéo d'arrivage. Je vous propose qu'on découvre ensemble les nouveautés. Je vous emmène ? Allez, je vous propose qu'on découvre ensemble les nouveautés du samedi. C'est parti. On commence par colonne de douche thermostatique à 80 euros. Donc vous avez le grand pommeau en haut avec le jet pluie et la douchette. Donc là, vous pouvez régler jet massage, pluie massage, mini pluie, pluie. La totale, c'est en chrome brillant, vous avez les petits picots anti-calcaire et bien sûr vous pouvez gérer la température de l'eau. Je regardais s'il y avait d'autres couleurs, non, il n'y a que du chrome. Donc ça coûte 80 euros. À côté, qu'avons-nous? Une poubelle de salle de bain à 10 euros, c'est celle-ci en acier inoxydable, 3 litres de contenance, ouverture facile, vous avez le seau intérieur qui est amovible, elle fait 18 de diamètre et 25 cm de hauteur. Voilà, là comme ça. Vous verrez mieux. Et là, je crois qu'elle existe, ouais, en noir. Ouh là là, non, on va essayer de rien casser. Donc voilà, ça coûte 10 euros. Il y a d'autres accessoires pour la salle de bain, je vais vous les montrer. On a des boîtes à mouchoirs, c'est aussi de l'acier inoxydable. Hein. Elles font 13 par 13 par 13, elles sont comme ça. Elles coûtent 10 euros, vous les avez aussi en couleur chrome. Juste le temps de l'attraper. Donc revêtement anti-trace de doigts, ça c'est bien. Allez, ça coûte 10 euros. Les supports pour papier toilette, ils sont à 5 euros. Je pense qu'il se met comme ça, sur le haut. Ouais, c'est pas mal aussi. Il y en a d'autres. Il y a le classique, avec le couvercle, si vous préférez. Et il y a ce modèle aussi. Par contre, là, j'ai que du chrome. Hein. J'ai pas de couleur noire. Pas mal. On a ici des supports WC, enfin des supports brosse, avec enfin la brosse du coup. Ça coûte 5 euros aussi, 36 cm de hauteur, 9 cm de diamètre. Ça a l'air d'être de la bonne qualité et vous l'avez dans cette couleur aussi. Voilà, 5 euros pièce. Il y a du stock. Et alors ça, c'est des bouchons de lavabo, 39,8 mm de diamètre. Ça coûte 3 euros pièce. Je ne savais pas que c'était possible d'avoir des bouchons de lavabo comme ça, personnalisés. Voilà, tout ce qu'il y a à 3 euros. Allez, je continue à côté. Ça, c'est trop bien. Support sèche-cheveux, j'en ai un chez moi. Ça coûte 6 euros. C'est vraiment trop bien. Plutôt que de le mettre toujours dans le tiroir, de le sortir, etc. Vous le mettez, ça fait propre, rangé. Et ici, vous avez des anneaux porte-serviettes en acier inoxydable, 18 cm de diamètre, c'est la même chose. Ça coûte 5,99 €. On va regarder s'il y a d'autres couleurs. Non, il n'y a que cette couleur. Pareil pour les supports sèche-cheveux. Il n'y a que cette couleur. L'étagère de baignoire, elle coûte 13 euros, elle est en bambou. Donc elle fait 70 de largeur, 22 de profondeur. Et vous pouvez l'étendre jusqu'à 1,04 m. Par ici, on a les petites étagères métalliques, mais ça, je vous ai déjà montré, je crois bien. Elles sont à 10 euros. Elles font 46 par 47 par 18 pour la dimension. Vous pouvez mettre dans la salle de bain, dans la cuisine, vraiment où vous voulez. Hein. Je crois que, ouais, elle existe en blanc aussi, comme ceci. Et enfin, pour finir le bac, vous avez des brosses WC à 3 euros avec le support plastique. Il y a plusieurs formes. Comme ceci. Et vous pouvez aussi acheter les recharges. C'est les deux brosses à 3 euros aussi. Donc ça, c'est pas nouveau. Je vous propose qu'on continue. On va aller voir un petit peu de l'autre côté ce qui se passe. Il reste pas mal de poêles wok ici à 12 euros. Elles font 26 cm de diamètre. Compatibles tout feu dont induction. Elles ont l'air pas mal. Rouge ou gris pour la couleur. Et les petites poêles pour, pour faire des crêpes. C'est 6 euros. Donc compatible tout feu dont induction, elles font 25 cm de diamètre. C'est la taille idéale. Par ici, bah on continue avec les nouveautés du samedi. Vous avez un petit peu de jeu d'éveil pour les enfants. Il y a un peu d'accessoires de bricolage. On va regarder. Je commence ici les sets de poupées. Ça coûte 6 euros. Donc la petite fille a un bébé avec un landau. Super. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des jeux comme ceci pour les
4 ans et plus, mais là, même adulte, on peut jouer, c'est l'équivalent du Jenga. Ça coûte 5 euros, le jeu, il est tout en bois. Vous savez, vous empilez toutes les briquettes et chacun son tour doit en enlever une sans faire tomber. Bien sûr, si vous êtes tombé, vous avez perdu. Et là, il y a celui-ci, Top the Bottle, je ne connais pas du tout. En fait, il faut placer un jeu ou il faut placer ses jetons, pareil, sans tout faire tomber, quoi. Ça coûte 5 euros. Les Mikado géants, pareil, c'est 5 euros le jeu, pour les 6 ans et plus. Et là, vous avez Stapé l'Olifant, jeu d'équilibre. Ça, c'est pour les enfants, hein, vraiment, ça fait très enfant. Je continue. La roue des couleurs. Ça coûte 10 euros. Il y a 33 pièces, donc ça, c'est pour les enfants de 3 ans et plus. Et à côté, regardez, vous avez des petits mugs pour enfants. Alors, ils sont en céramique, hein. Compatible lave-vaisselle, compatible micro-ondes. Donc, il y a Pas de Patrouille, Peppa Pig. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sam le pompier. Ah bah, il y a la Reine des Neiges, j'allais dire, elle n'est pas là la Reine des Neiges, ça m'aurait étonné. Bien sûr qu'elle est là. 2 euros le petit mug, c'est mignon. Et là, on a des 7, 3 pièces, ça c'est super bien, antidérapant en fait, pour que les enfants puissent manger tout seuls. C'est pour les enfants de 6 mois et plus, et là vous avez une ventouse. Et c'est vrai que c'est super bien. Il peut tourner l'assiette dans tous les sens, ça tombe pas. 12 euros le kit. Les livres puzzle, c'est 4 euros au choix, pour les enfants de 3 ans et plus. On a les licornes, on a les dinosaures. Et à côté, vous avez des coloriages numérotés. Là, c'est pour les enfants un peu plus grands, de 9 ans et plus. Voilà, pour faire des petites activités, ça coûte 5 euros. Les puzzles en mousse, c'est 10 euros. Pour les 10 mois et plus, donc pour faire tapis. Et puis dans le tapis, vous voyez, il y a des petites formes qu'on peut enlever et remettre. Vous avez celui-ci aussi. En forme de rond, stimule la motricité. Côté bricolage, alors c'est des petits accessoires, hein, pour du scotch, des choses comme ça. Vous avez ici les trois rouleaux à 3 euros, 66 mètres. Les rubans de masquage, c'est 3 euros, les trois rouleaux, 3 x 30 mm. Vous avez des lots de pinceaux ici à 2,69 euros au choix. L'eau de 4 pinceaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ruban adhésif noir. Ça, c'est 3 euros le rouleau. Argent ou noir. Les rénovateurs de joints, ça coûte 4 euros. C'est Rubson qui fait ça. Facile à appliquer en 5 minutes. Et ici, vous avez des aérosols de vernis transparent très brillants. C'est 4 euros l'aérosol, 400 ml. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout montré. Le WD-40, c'est 2,80 €. Ici, on a des lots de crochets. Donc, il y a des chevilles-moulis, il y a des petits clous. Ça coûte 3 euros la petite barquette. Et alors ça, c'est des casiers de rangement polyvalents. Ah, ça coûte 9 euros en plastique. Il y en a deux normalement. Il y en a un qui a 17 tiroirs. Et l'autre qui a 33 tiroirs. Ouais, c'est pas les mêmes. Vous voyez, celui-là, il a 33 tiroirs. Et celui-là, il n'en a que 17. Et ici, on a des projecteurs LED à 6,99 €. Pour l'intérieur et l'extérieur, avec le boîtier tout en aluminium, 1125 lumens. Les pantalons de travail, c'est 13 euros. Donc pour hommes, ça va jusqu'à la taille. Je vois quoi en max ici? Je vois du 46 au maximum, 13 euros. Et par ici, ce sont des vestes polaires à 12 euros jusqu'à la taille XL. Il y a du gris et du noir. Ah bah oui, on va regarder les chaussettes aussi. C'est 3 euros les chaussettes. 3 euros les 3 paires. Je continue.
Voilà les jolies, ma vidéo du jour est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve tout à l'heure chez Action, chez Nose. Prenez bien soin de vous. Bon début de week-end. À plus tard. Bye.